Bonsoir et bienvenue sur Polynésie Première. Ce soir, je vous propose une soirée spéciale Rapa avec Tamariki Oparu qui chantera et dansera l'histoire d'un natif de l'île de Rapa, Pirimato, plus connu sous le nom de Meiroto Atheti. Et c'est justement là que commence son histoire que je vous propose d'écouter avec le Tarvato Apa de Tamariki Oparu. Qui est Pirimato? Pirimato, c'est un héros, c'est un héros de chez nous. Hein. C'est un héros de chez nous qui est venu à Tahiti, vivre à Tahiti. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Alors là, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas peur de le dire. Il a donné Tahiti à la France, tout simplement. Il a donné Tahiti à la France. Il était venu ici pendant la colonisation. Il a donné Tahiti à la France, mais pour une raison. Pour une raison. Il y a une raison, parce que quand il est arrivé ici, on le détestait, on ne l'aimait pas, on se moquait de lui. Et un jour, quand il y a eu une distribution de nourriture de Maha, sa part était des intestins de cochon et les excréments qui étaient dedans. Alors avec ça, il s'est énervé, il s'est fâché, il s'est mis en colère. Il est parti chercher les soldats français qui se trouvaient sur le bateau. Il a guidé ces soldats, les troupes françaises, pour prendre la Fashoda, le fort de Fatawa. Et après, tous les forts de Tahiti ont déposé les armes. Et après, Tahiti est devenue française. Maruru Piero d'avoir partagé voilà. Cette histoire. Et je vous propose de continuer à découvrir l'histoire exceptionnelle de Pirimato avec le Himeneru Au de Tamariki Oparu. Continue son récit du vécu de Pirimato Atheti avec son Ute Pari Pari, puis on continue notre soirée spéciale Rapa en danse. Aïe, aha, ahe, hi, ah, hi.
On continue à s'intéresser à l'histoire de Pirimato, mais cette fois-ci, nous nous intéresserons surtout à la vie qu'il a menée à Rapapiero. Pirimato est un personnage qui a donc réellement existé il y a quelques années. Un navire péruvien est arrivé à Rapa. Que s'est-il passé? D'abord, salut à tout le monde. Que s'est-il passé? Ça, c'est une bonne question. Un navire esclavagiste péruvien est venu chez nous pour s'emparer de tous les repas, pour les emmener comme esclaves à chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pirimato a réuni tous les guerriers pour s'emparer du bateau. Et il a réussi à s'emparer du bateau. Sans aucune violence? Sans aucune violence, comme ça, c'est sans aucune violence. Et il les a emmenés, les Péruviens, ils les a emmenés ici à Tahiti, dans la main de la justice française. Donc, quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers ce qui a été réalisé par Pirimato? Lutter contre l'esclavage, parce que ça existe toujours, mais caché, sous une autre forme. Et respecter la loi. Laissez la justice faire son travail. Ne sanctionnez pas de nous-mêmes. Laissez la justice faire son travail. Et surtout, ayez confiance à la justice. Voilà le message. Et puis, si vraiment, dans votre subconscient de Maui, Mairoto Pirimato a fait une erreur devant notre population, notre peuple Maui, alors on demandera pardon sur la scène toute la saison. Maruru Piero, je propose de regarder ce spectacle, éventuellement le mea culpa de Pirimato au Tahitien, à travers cette histoire que vous allez nous interpréter sur scène. Pourquoi?
Ah,
Anya et Tamatoa sont parmi les 28 prétendants qui concourent, qui convoitent le prix de la meilleure danseuse et du meilleur danseur, Arunga. Arunga. De quoi va parler votre danse, votre prestation solo, meilleur danseur et meilleure danseuse, Anya? Mon solo, déjà j'ai cherché par moi-même. J'ai essayé de me baser sur notre thème, qui est sur Mairoto, un de nos ancêtres. Et je fais de mon mieux. Ça va raconter quoi? Ça va être l'accueil, la bataille? Plutôt la bataille et le charme, comment on vit chez nous. Et pour toi, Tamatoa? De même, hein. Ça va représenter la bataille de notre guerrier Mairoto. Si vous aviez un atout, quel serait-il? Moi, ce serait plutôt sur le paoti. Hein.
mon paouti. Donc tu vas tout miser sur ton paouti. Ouais. Enfin, tous les gestes, quoi. Mais le paouti, c'est le pas que tu maîtrises. Voilà. Et toi, Anya? Moi, c'est plutôt mon tiffiné et mon sourire. C'est tout. Qui vous a aidé à préparer votre chorégraphie? On a fait nous-mêmes, déjà. On s'est débrouillé par nous-mêmes. Et on a essayé de mettre tous les pas, avec les pas obligatoires. Bon, on a essayé de tout mettre dedans, mais c'est pas facile. Voilà. Et pour toi, Tamatoa? Pareil, j'ai essayé de tout mettre les pas qu'on nous a demandé et essayer de respecter les critères. Voilà. Eh bien, on a hâte de découvrir le charme et l'authenticité de Tamariki Oparo, tout simplement.
J'espère que vous avez été touchés et émus par l'histoire de Pirimato. Je vous donne rendez-vous demain à 18h45 avec le groupe de chant Tamar Irapano Tahiti. Hey, 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 avec Tamar Irapano.